C'est déjà difficile d'annoncer à son entourage qu'on fume, alors qu'on se fait fumer. Pour commencer, j'ai fait mon coming out avec quelqu'un de vraiment important à mes yeux. Bon, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc à toi je peux le dire, je suis homosexuel. Ta gueule ! Oui ! Oui ! Vas-y ! Bon, faut avouer, c'était pas compliqué. Après, je suis passé aux choses sérieuses. Pour révéler à mon meilleur ami. Patrick ? Ouais. Je suis gay. Ah. Bah écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Ça te dérange pas ? Moi ? Non. De toute façon, je vois pas le problème. C'est pas parce que t'es gay que ça va changer quoi que ce soit, hein. Ah non, vraiment, je t'assure, hein. Et dis-moi, t'as pas bu là-dedans ? Puis est venu le tour de ma meilleure amie. Homosexuel ? Homosexuel. Mais ça veut dire que... quand je fais ça... ça t'excite pas ? Non. Et là ? Non. Et là ? Mec. Ouais... t'es un génie ! Allô, Sophie, je suce des bites. Alors comment ça se passe ? Ensuite, j'ai tout révélé sur Facebook. Maintenant, il me reste le plus difficile à faire. Annoncer mon coming out à mon père. Je suis déterminé. J'y vais. Papa, faut que je te dise un truc. C'est déjà difficile d'annoncer à son entourage qu'on fume. Non, mais j'allais justement t'en... Tu sais, mon fils, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est la tolérance. Le monde a évolué. Que tu sois gay ne va rien changer. Je suis ton père. Tu es mon fils. Les enfants meurent dans le monde tous les jours. Je t'aime. Au fait, papa, je te présente mon nouveau petit ami. Coucou. Nom de Dieu, un nègre! Et dis donc, si c'est au courant, tu peux t'abonner. Alors vas-y, clique et partage la vidéo. Bisous.